Evenemel. Eh bien, on se retrouve pour la partie 3 hein, de Visage. Hein. Visage hier qui nous a bien fait flipper, mon Dieu. Et bon, bah, je trouve que l'heure est toujours 23h44, c'est toujours la bienvenue hein, pour jouer à ce type de jeu. Oui, hier, je me suis bien chié dessus. Et encore une fois, après avoir vous avoir quitté, j'ai eu un autre sursaut alors que j'avais même plus le casque. Parce que la grand-mère était encore dans les parages. Bon, c'est pour vous dire, le jeu me plaît énormément. J'ai fait quelques modifications par rapport au stream au niveau de la synchro labiale. Bon, le fond vert nous emmerde toujours, mais bon, j'ai pas envie d'avoir une lampe dans la gueule plein phare. Donc ça merdouille un peu. Mais vous allez voir, une fois qu'on va être en jeu, ça va être un petit peu mieux. J'ai mis un retard sur la voix pour la synchro labiale. Et puis je me suis offert le petit stream deck qui va être bien plus agréable pour moi, bien plus. Ce qui va me faciliter grandement la vie. Hein, je vais pas vous mentir. Donc on va continuer. Et aussi, nouveauté, j'ai réussi à. Enfin, j'ai réussi, c'était assez simple. De mettre la manette. Alors je sais pas si j'éteins la lampe. Non, voilà, non, il faut absolument la lampe. Bon, le fond vert va un petit peu merdouiller. Ça va dépendre de l'éclairage, encore une fois. Mais bon, les puristes, hein, vous le savez, rectifient d'eux-mêmes en temps réel. Visage, un excellent jeu. Excellent jeu d'horreur. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant sursauté. Hier, j'ai rematé quelques séquences du gameplay, quelques passages. Véritablement, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais j'ai été bien surpris, deux, trois fois. Très, très bonne ambiance, hein. Malgré hein, quand même ce plagiat là, c'est quand même assez manifeste de la porte de, je suis désolé, hein, de Silent Hill 4. Hein, là, on me la fait pas là. Hein. Je suis pas le seul, ça se voit là. Hein, l'hommage, c'est plus qu'un hommage. Seul défaut du jeu, son temps de chargement. Hein. Vous le voyez pas là, mais derrière moi, c'est marqué chargement. Un petit peu long, un petit peu longué. J'ai pas non plus une bécane de course. Hein. D'ailleurs, je stream en 720 pour être sûr d'avoir quelque chose de d'à peu près propre, comme on dit. Bon, j'ai hâte de continuer. Hier, ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. C'est vrai que là, c'est relativement long. Ah, voilà, c'est bon. On y est. Donc maintenant, je suis à la manette. Oui, j'ai eu peur que ça fonctionne pas. Oui, non, c'est bon. Donc là, je suis à la manette. Donc du coup, là, j'ai accès à mon inventaire comme ça. Hein. C'est quand même bien plus pratique. Pour un joueur console comme moi. Et surtout, je peux passer directement avec mon à deux mains, mon maillet. Et voilà, chose que je n'arrivais pas à faire avant. Donc on avait réussi à résoudre quelques énigmes. En revoyant la VOD, je peux utiliser ça. C'est vrai que ça merdouille un peu, mais bon, c'est pas grave. On s'en fout du fond vert. En revoyant la VOD d'hier. Oui, forcément, j'ai envie d'utiliser le stream deck. Hein. Je vais me l'offrir. Je vais pas arrêter d'appuyer dessus pour un oui, pour un non. Non, en voyant la vidéo d'hier, je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'il y avait l'énigme avec les pendules. Hein, vous vous souvenez, on pouvait avancer l'heure, voilà. Et je me suis souvenu, en voyant le chat au mur, je me suis souvenu qu'il y avait des horloges de chat. Et ça se trouve, même j'en suis convaincu maintenant, en y réfléchissant, qu'il faut mettre tout simplement l'heure de ces horloges. Donc là, la vieille était là avant et nous avait demandé de lui préparer, de lui ramener du thé. Attention, évitez de rester trop longtemps dans l'obscurité. Oui, ben ça, on est au courant. Mais on peut toujours pas. Hein. Ah non, maintenant qu'elle est partie, on peut. Ah non, on peut pas. Non, non, bon. Et alors, pour aller un peu plus vite, je crois que c'est là. Hein. Voilà. Donc je crois que le son du jeu est bon, hein. Si c'est comme hier. Attends, on va pas rester. Qu'est-ce qu'il y a au sol? Alors pour moi, la jouer à la manette, c'est quand même un luxe. C'est quand même un confort. Pas vous mentir. Regardez, on va même se prendre la bougie. Regardez ça. Fermer, c'est là. Oh putain, mais ça y est, je me suis fait encore baiser comme hier. Et je vous assure que je joue pas la comédie là.
J'ai 41 ans, là, je me suis chié dessus. Exactement ce qui s'est passé hier quand j'étais hors ligne. Et là, j'y ai pas repensé. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que je voulais mettre une bougie où, déjà? Je me suis fait avoir, mais... Ah oui, là. Ok. Et du coup, là, ça va beaucoup plus vite pour moi. Regardez, hop, je prends le briquet. Ok. Et pour l'allumer... Non, c'est là. Ok. Et ben, c'est bon. Et puis voilà, ça l'éteint directement. Voilà, c'est quand même du bonheur. Et pour les portes... Maintenir, prendre. Quoi? Quoi? Ah bah non, mais il y a des bougies partout. Non, c'est pas possible. Bon, je me prends du médoc. Vous ne pouvez pas nécessairement demain. Attendez. Passant comme ça. Je prends du médoc. Comment on utilise... Comment on utilise le... Ah voilà, c'est voilà. Faut que je me refasse au contrôle manette, évidemment. Mais vous allez voir, cette... Voilà, là on allume. Ah, évidemment, c'est un petit peu moins précis pour tout ce qui est souris. Bon, on peut pas tout avoir. Donc là, on peut passer en mode une main. Voilà. Donc, je serais d'avis... Tiens. Ah, voilà, c'est bon. Non, les contrôles vont être plus simples pour moi. Je suis en train de dire que les contrôles vont être plus simples pour moi. Je suis en train de me... Je me prends les pieds dans le tapis. Ah, faut pas que j'ai des expressions toutes faites comme ça, sinon je vais encore perdre des followers. Ça sert à rien de venir ici. Il faut qu'on retourne. Pas simple avec le casque à fond, hein, je vous assure. Pas simple. Oui, de temps en temps, je jette un coup d'œil sur le retour. Pour voir. Mais là, c'est vraiment, c'est du bonheur, hein, de pouvoir passer de là à là. Bon, évidemment, le fond vert, hein, bon. Alors, celui-ci, je me souviens plus. C'est curieux, ça ressemble étrangement. Ah bah non, mais c'est là où on vient, on a fait le tour. Donc, il faut qu'on retrouve... Pas des trucs à prendre, non. Il faut qu'on retrouve. Déjà, on va remettre le. Merde, qu'est-ce que je fais? Faut que je ferme le truc. Maintenir avec briquet allumé. Voilà. 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 Non mais elle veut vraiment me tuer. Oh putain. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, il faut qu'on résolve les énigmes. Faut pas qu'on traîne dans le couloir. Tout à l'heure, je me suis tapé un bon sursaut. D'ailleurs, tous les sursauts, je pense que je vais les compiler pour le prochain best-of. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder les best-of sur ma chaîne YouTube Bosseron14. J'en ai fait deux. Ça dure 8 minutes. Oh, un petit dimanche, là, quand vous savez pas quoi faire. Vous allez voir, ils sont très rigolos. Les gens beaucoup rigolé. Trop, même. J'en ai fait deux. Il y en a un qui dure 8 minutes, l'autre qui dure 9 minutes. Ces petites séquences, voilà. De digression vidéolytique.
Vous regardez ça en famille, passez un bon dimanche, autour d'une bonne galette. C'est dans ce but que j'ai fait ça. Histoire d'embellir un peu nos vies. Déjà assez triste. Bon, allez, hop, c'est bon. Allez, on perd pas de temps. On se casse d'ici. Si j'ai bien compris ça, c'est pour aller un peu plus vite. Bon, on met pas de bougie, hein. Compris que ça serve à rien. Alors par contre là, on y avait été. Alors interagir, c'est vraiment c'est ça. Hein. Je remonte juste pour me rappeler, mais je crois que c'est l'endroit où il nous dit qu'il nous faut un objet. Hein. Voilà, on l'a pas, hein, cet objet. Hein. On l'a pas. Redescend. RT. Ouais, je suis pas un joueur Xbox, hein, donc moi RT, ça me dit rien. Je connais R2. Mais ça va rentrer. Ça va rentrer, évidemment. Ok, donc on va retrouver cette baraque. J'ai beau l'arpenter. Non, là on est mort une fois. On n'y retourne pas. Pas de petit objet à prendre. Il faut que, absolument que. Voilà, celle-là on peut la pousser. Allumer la lumière là. Voilà. F5 ça marche quand même. Même si je suis. Voilà. On va monter. Je suis pas certain que ça soit le bon. Non, c'est pas le bon. Et je commence à comprendre bien les commandes. Alors c'est beaucoup plus agréable pour moi. Hein. Vraiment là. C'est vraiment ces Byzances là. Ah, on l'a jamais vu lui. Comment je fais? Voilà. Voilà, ça a lagué un tout petit peu. Interagir. Se déplacer. Bon, ça. Salut Tamar, excuse-moi si j'ai pas eu ton message avant. Comment vas-tu? Je stream un tout petit peu plus tôt que d'habitude. Bon, ça a commencé il y a quoi? Il y a eu 5 minutes de décompte. Tu n'as rien loupé. On est mort une fois. Bon, toujours ce malheureux pointeur qui est minuscule, hein, minuscule. Alors tu verras ta maths, je sais pas si t'as remarqué, ou peut-être que tu vas t'en rendre compte. Mais la sacro-labiale est beaucoup mieux maintenant. Hein. Je me suis fait chier à faire des tests hier. Normalement la voix là est, regarde, hop, la voix là normalement est quand même beaucoup plus synchronisé, hein, je me suis fait chier. Bon, le fond vert, comme je disais au début de la vidéo, j'ai pas envie de me taper une lumière dans la tronche, donc ça merdouille un peu, mais je fais du mieux que je puisse. Donc là, on a repété un carreau avec la masse. Oui. Pourquoi? Attendez, attendez. RT. Moi je veux bien, mais RT et R. Pourquoi il veut pas? Faut la péter cette porte? Mais non, tout à l'heure j'arrivais à passer d'une. D'une arme. Alors, la synchro est bien et je vois que tu as récupéré une masse en effet. En fait, tout à l'heure, j'arrivais à passer d'une. En plus, je joue à la manette, ça y est, enfin. Et je me suis acheté le Stream Deck. Voilà, les autres le savent parce que.
Oui, il me faut les deux mains, mais tout à l'heure à la manette, juste en appuyant sur triangle, c'était bon. Je passais à deux mains. Et puis maintenant, il veut plus. Alors du coup, il faut que je lâche un objet. Ça, c'est pour l'allumer. Gauche, maintenir, examiner. Non, ça, je m'en branle. Voilà, alors je lâche. Alors c'est complètement con, hein. Tout à l'heure je pouvais le faire. Ah putain, c'est une porte qui se pousse. En plus, j'avais même pas besoin de lâcher le briquet, quoi. La classe, c'est un briquet. Ah oui, bah oui, mais moi je suis comme ça, hein. Alors pour se baisser, j'imagine. Voilà. Tout va être beaucoup plus simple maintenant pour moi. Mais ça, c'est délirant. Tout à l'heure, je pouvais passer du... Ah oui. Elle a l'air bien sympathique hier. Hier, on s'est fait la partie 3. Je me suis chié dessus, Tama. Il y a eu 2-3 jumpscares. C'était compliqué, hein. Je peux marcher là-dessus? Non, bien sûr que non. Peut-être se faufiler. Ah, c'est que des croix. Si je ferme la porte. Oui, mais pas sur moi. Alors oui, j'ai un briquet. J'ai une masse. Qu'est-ce qu'il y a? Ils veulent que je foute le feu à tout ça? Ah non, regardez ça. On peut se faufiler ici. Oh mon dieu. Alors n'hésite pas, Tama, à me dire si le son du jeu est trop fort ou... Que sais-je. Hier, j'étais trop fatigué, j'ai loupé. Ah bah oui, mais alors ça... Mais tu sais, tu peux... Les puristes rectifient d'eux-mêmes, comme je dis toujours, et je sais que t'es un puriste, et je sais que tu vas regarder la VOD sur YouTube, Bosseron 14. Mais j'ai fait un clip, tu pourras regarder si ça t'amuse. Je me suis vraiment fait 2-3 frayeurs. Je sais pas pourquoi, j'ai le jeu qui déconne un tout petit peu, donc je vais fermer juste. Je vais fermer une fenêtre. Voilà, je pense que ça va être un tout petit peu mieux. Voilà. Je pense que j'ai... Voilà, là on va être mieux. Voilà. Le jeu qui laguait un tout petit peu. J'ai peut-être poussé le jeu un petit peu trop... Non, perso, le son me va bien, très bien. Bon bah parfait. J'essaye de, tu sais, de parler normalement. Pas de crier, quoi. Et puis que le son du jeu soit assez fort, surtout. Pour qu'on soit dans l'ambiance. J'étais obligé de modifier un petit peu les paramètres du noise gate d'ailleurs. Parce que comme je parlais un petit peu pas fort, il me coupait la fin de mes phrases. Bon là ça pisse. Hein. Bon, pourquoi pas. Eh, faut que j'éteigne mon briquet moi. On en a qu'un. On a qu'un briquet. On a qu'un zippo, puis je pense pas qu'on ait de l'essence sur nous, alors... Oh là là là, bon, donc on arrive en haut de la salle de tout à l'heure. Eh ben ça m'a l'air parfait. Hein? En tout cas c'est joli, hein. Oui voilà, le jeu laguait parce que j'avais laissé la fenêtre Mozilla avec enfin mon explorateur ouvert. Donc là, il y a une porte et le plancher qui s'est cassé la gueule. Hier on a eu des énigmes. On a cassé des miroirs et chaque miroir tombait sur une énigme et on a pu en résoudre une. On a un peu avancé quand même. Là, notamment, on a récupéré, tu vois, une roue. Voilà. Une manivelle, pardon. Bah, qui est bien utile d'ailleurs. Parce que sinon on aurait été dans la merde là. Donc là on a levé le Christ.
Le Saint-Christ. En fait, ça me conforte dans l'idée où on a fait. Eh voilà, j'ai compris. Là, il y a le couteau qu'on peut récupérer. Voilà. Parce qu'on a découvert aussi hier un cadavre. Amen, évidemment. Et je ne plaisante pas, hein, je suis. Je me suis fait baptiser à 33 ans, hein, l'âge du Christ. Alors, placé. Donc, hier, oui, je disais, on a trouvé un cadavre. Et il était poignardé de au moins 5-6 couteaux, ambiance. Et il manquait un couteau. On voyait qu'il y avait. Enfin, c'était écrit, il manquait une fente. Il était poignardé de 6, de 5, il a été poignardé 6 fois, mais il n'y avait que 5 couteaux dans lui. Donc à mon avis, il faut qu'on y retourne et qu'on replace le couteau, quoi, en gros. Tiens, je vais faire une petite sauvegarde du pauvre. Voilà. Mais là, quel plaisir d'y jouer à la manette, hein. Je suis désolé pour les joueurs PC, mais bon, moi. Ok, on est descendu. Là, dans le petit tiroir, il n'y a rien, non? Non. Ok. Il suffit qu'on se rebarre par là en fait. On a eu ce qu'on est venu. On a eu ce que l'on était venu chercher. Voilà. Ouais, ça lagouille un peu hein, quand il passe là. Hein. Question. Maintenant que tu as plusieurs heures de jeu, oui. Pose-moi ta question. J'y répondrai avec un grand plaisir. Oh là, il y a une sauvegarde. L'ambiance est toujours aussi bien, oui. Là, en début de live, là, tout à l'heure, il y a la vieille qui était dans le coin de la pièce, enfin, qui m'a fait coucou à l'angle de la cuisine ou de la salle de bain. Je me suis chié dessus. Non, non, véritablement au casque. Peut-être que ça rend pas pareil quand on me regarde jouer, mais véritablement seul dans une pièce sombre avec le casque. J'ai 41 ans, je me suis. Bah toi, on n'est pas si éloigné d'âge. Il y a quelques moments. Même en ayant fait beaucoup de survival horror, il est celui-ci vraiment très efficace. Hein. Il est très très efficace. Parce qu'il est très réaliste. Et la vieille, quand elle surgit, enfin, on se fait surprendre quoi. Les idées sont très très bonnes. On voit pas les scripts arriver en fait. Tout est scripté, mais c'est bien fait. C'est pas tout le temps. On n'arrive pas à savoir quand les choses vont se dérouler. Et ça, c'est très agréable. On sent que c'est un jeu qui nous prend pas pour des cons, quoi. Voilà. C'est rare. Donc, où retrouver le type? Alors, pareil, voilà. Putain, alors, vous voyez ça? Je prends une photo. Sinon, je vais pas m'en souvenir. On a trouvé une pièce. Je prends une photo de ça parce que je vais pas me souvenir des heures. On a trouvé une pièce où il y a trois horloges. Et je pense que nous, dans la maison, il y a trois horloges également. Ici, on n'y monte plus parce qu'il nous manque un objet. Ça reste relativement. Alors, ok, ça reste relativement calme. Non, non, il y a des moments où on se fait tuer très rapidement. Mais oui, sinon, c'est calme et c'est malsain, quoi. Il y a des fulgurances si tu veux. À des moments, le fantôme il apparaît. Bon, c'est pas comme Outlast où tu cours comme un taré. Ah oui, non, Outlast, ça. Ouais, non, non. J'ai fait les deux Outlast. Je les ai sur Switch d'ailleurs. Je les ai achetés sur, tu sais, Limited Run. Je me suis pris les versions boîte. J'ai beaucoup aimé Outlast, surtout le premier. Et non, non, ça n'a rien à voir. L'heure, oui, comme je disais, il y a une pièce. Un couloir plus précisément où il y a trois horloges et je pense qu'il faut mettre les trois horloges de la maison. Voilà. L'heure des trois horloges de la maison. Il y a notamment dans la maison, à un moment donné, près de la cuisine, je crois qu'il y a une horloge où c'est un gros chat. Comment je me barre d'ici là, je sais plus. Là, c'est d'où on vient, voilà. Ah voilà, on va. Non, j'en suis même pas certain. Je sais plus. J'ai le jeu qui lag un peu. Je sais pas quel programme j'ai d'ouvert qui m'emmerdouille. Je vais arrêter ça. Attendez, une seconde.
Je vais juste arrêter ce programme-là. Voilà. Voilà. On est revenu. Non, je sais pas pourquoi. Là, ça lag. J'ai. Mais on en vient d'ici. Non, non, non. Bon, je vais remonter à l'étage. Parce que là, maintenant, on a le couteau. Alors, le couteau, c'était. Je sais plus. C'était un des premiers miroirs qu'on a pété. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Par où on est passé, bordel? C'est plus. Qu'est-ce qu'il fait là? Il se le met le marteau dans le pif? Non, bon, on va passer par ici. Peut-être que j'ai une mise à jour en parallèle, quelque chose. C'est pour ça que le jeu lag un peu. Tout à l'heure on est passé à gauche. À droite, on va passer à gauche. Voilà, non mais c'est bon. Ah non, maintenant c'est cadenassé. Ah ouais, non mais là, quel plaisir d'y jouer. On a l'impression qu'on pourrait le péter ce truc-là. Quel plaisir d'y jouer à la manette. Vraiment. Puis au clavier, on est obligé d'être devant la table. Là, je suis quasiment allongé. Okay. Là, c'est cool. En plus, avec le bras du micro, là, je suis comme si je jouais dans mon lit, quoi. Il manquait juste le stream deck. Voilà, pour passer d'une scène à l'autre, là, vite fait. Ah, là, je suis content. Mais on tourne en rond, madame. Tourne en rond. Là, on est bien d'accord que c'est juste la salle. Oui, tout à l'heure j'étais là, je me suis retourné. Ah putain, mais. Bon, voilà, ça y est, t'as compris. Voilà, ici, voilà ce qui s'est, voilà exactement ce qui s'est passé. Tu vois l'idée? Eh ben, tu regarderas le. Oh putain, deux fois! Et en plus, j'étais en train de te montrer, t'expliquer le truc et ils refont le coup de la vieille. Alors, attends, ils vont peut-être le refaire une troisième fois. Bon, maintenant c'est bon, je suis prêt. En fait, tu regardes ça et normalement elle apparaît là, quoi. Et ben maintenant elle le fait plus, évidemment. Elle était pile là. Et je me suis fait avoir, ça fait trois fois. Hein. Enfin, ça fait trois fois. Hier, ça me l'a fait hors ligne. En voulant arrêter le jeu. J'avais pas le casque ni rien, mais ça m'a foutu les jetons. Et aujourd'hui, j'y ai pas repensé, ça me l'a refait là avant que t'arrives. Et là, en voulant te le montrer. Ça me l'a refait. C'est terrible. Je vais mettre une bougie ici. Je sais pas pourquoi, mais c'est histoire de faire un truc. Vous ne pouvez pas? Bah non, mais t'es gentil, mais je veux prendre la bougie. Ah non, mais il m'oblige à poser un truc par terre. C'est cool. Ah bah là, il a posé la bougie direct. Ouais, faut pas essayer de comprendre, hein. Il y a des moments, il y a des facilités, il y a des moments, il y a des trucs chiants. Faut pas comprendre. Faut pas essayer de comprendre. Mais alors du coup, comment les portes sont fermées? Comment fait-on? Suis pas fou là. Oui, avant on pouvait passer par là. Je voudrais retourner. Toi t'as pas vu hier, mais hier on a trouvé un cadavre. Mais je sais plus du coup. Non, ça c'est pas ça, c'est sûr. On va tenter à droite. Il ne reste plus que ça. Hein. Mais on va retomber sur le. C'est là d'où on vient. Voilà, où il y a la vieille.
Mais il y avait un miroir, hein, je crois aussi. Ah oui, il y a un miroir, mais c'est celui d'où on vient. Qu'est-ce qu'il y a? On est dans une boucle là? Parce que là, on a parlé à la vieille hier. Tu as pensé la bouger, il l'a fait. Tu as pensé bouger, il l'a fait. Oui, non, mais voilà. Oui, je sais pas ce qui s'est passé. Ici, on peut rien faire. Elle nous a demandé de lui apporter du thé. Ah bah, il y a un autre briquet. Ah non, mais c'est un briquet ça, hein. Je suis pas fou. Non, c'est une lavette. Petite lavette. Allez, on va dire que c'est une petite lavette. On leur donne le bénéfice du doute. Je fais une petite sauvegarde du pauvre. Bon là, j'ai jamais ouvert ça. Quoi? Ah mais voilà, à chaque fois elle se pointe. Non, non, mais y a là, vous voyez bien, là, on tourne en rond. Donc, y a un truc qui va pas. À moins que ça soit ici, puis que je confonde à chaque fois. Possible, hein. Si le jeu rame encore, je vais m'amuser à... Enfin, je vais le mettre en résolution moindre. Non, mais non, c'est... Ce couloir-là, on l'a déjà fait. L'a déjà fait. Non mais bon, qu'est-ce qu'on a eu? Ah peut-être qu'avec le couteau on peut ouvrir la fenêtre. Parce que là moi je focalise sur l'idée que le couteau va me servir à repoignarder le mec. Mais peut-être que le couteau sert à ouvrir la fenêtre. On peut tenter. De toute façon on n'a pas mis l'option. Hein. Et qu'on est bloqué de partout. Alors changer de main, c'est... Vous voyez bien, changer... Ouais, voilà. Et là maintenant, il passe à deux mains. Et tout à l'heure, j'appuyais comme un con, il voulait pas. Curieux, hein. Curieux jeu. Bon. Je vais prendre. Vous ne pouvez pas l'utiliser ici. Examiner. Rien de marqué quoi, voilà. Non, 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 mais ce couteau là, il va falloir le remettre dans le mec, c'est sûr. C'est tellement évident. Et là, quand on veut faire quoi que ce soit, pas moyen de l'ouvrir à moins d'avoir le bon outil. Et hier, je m'amusais à dire que le bon outil, bah, un coup de masse, et puis c'était réglé quoi. Hein, franchement, une fenêtre. Et puis après, on aura une petite boussole, tu vois. Si le focus veut bien se faire. Une petite boussole là derrière. Donc le couteau c'est pas bon, hein. Je retente un coup pour être certain, hein, qu'il n'y avait pas de... Ah oui, puis on a récupéré une poche de sang, hein. Tu vois, dans l'inventaire à droite là. On a une... Oh putain, j'ai mon fond vert qui merde, mais alors quelque chose de violent. Peut-être je peux faire quelque chose. Attendez. Ah non, c'est pas ça. Ouais, j'ai un trou dans la tête. J'essaye de voir ce qui est le mieux. Ou alors... Attends, je tente un truc. Vite fait en live. Je tente un truc sur la webcam. Ah non, mais c'est merdique. Si je mets vert. Voilà. Allez, pas le salaud. Allez, on va dire que c'est bien. Voilà. Allez, vous avez vu ça? Comment je te règle le problème en 2-2? Bah, en fait, c'est le chroma key. C'est le chroma key qui merde, et comme je... Ah bah là c'est parfait là. C'est bien mieux là. Puis en fait j'ai pas envie d'avoir une lumière vraiment dans la tronche. Bon là j'en ai mis une petite en hauteur. Ça aide.
Mais non, j'ai pas envie, tu vois, j'ai envie de profiter du jeu. Il y a des streamers qui ont des lumières plein la tronche, bon, ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, là, je joue à un jeu d'horreur, j'ai quand même envie d'être dedans. Donc ouais, je te disais, on a récupéré une poche de sang. Et voilà, une petite poche de sang. Ah, pourquoi, quand, qu'est-ce? Aucune idée. Et des clés. From Johnny to you. Et ça, c'était les clés. En plus, on a eu un bug d'affichage. C'est-à-dire qu'on a eu ces clés-là, mais on voyait pas le dessin. On voyait ni le dessin, tu vois, genre le T est dans au grenier. Et on voyait. Bon, le message, à la limite, c'était moins grave. Mais on voyait pas le. On voyait pas que c'était marqué que le T était à l'étage, quoi. C'est en regardant les clés une seconde fois que j'ai pu découvrir. Ça, c'était quand même un petit peu plus emmerdant. Ok. Bon, bah, c'est pas ça. J'essaie de me rappeler par où j'ai bien pu passer. Tout à l'heure, enfin hier, la vieille, elle était en ombre chinoise là derrière le truc bleu. Autant te dire que c'était encore une bonne, un bon moment de flip. Où c'est que je ne suis pas allé? Ah, ça te fait rire. Non, véritablement. Quoi? Entendu là. Voilà, il y a les trucs qui. Il y a les trucs qui se ferment, les trucs qui bougent tout seuls. Mais voilà, là on tourne en rond, on est bien d'accord. Oui, on tourne en rond, tout ça c'est relié, c'est le même truc. Putain, je sais pas pourquoi les murs, tout se ressemble. Ah, voilà. Ah bah putain, enfin. Alors là, si je me souviens bien. Déjà, je fais une sauvegarde. Tu te rends compte, hein, où j'en suis, hein. Je fais des sauvegardes. Qui plutôt? Alors, je sais plus. Je sais plus ce que je racontais. Tiens, allez, hop. Ça vous fera pas de mal. Non, je voulais allumer le briquet. On va crever là, si on reste trop longtemps ici. Attends, on se dépêche. Ah, on l'a pas cassé celui-là? Allez hop. Mais tu vois celui-ci. Pas certain que. Putain, et en plus ça sert à rien. Tu vois celui-ci, ce miroir-là, je ne suis pas convaincu qu'il était là hier. Hein, parce que franchement, je l'aurais vu. Hein. Je suis pas un expert. Mais bon, je suis pas non plus un gros con non plus. Quand même sacrément visible. Donc ici, hein, c'est horrible. Hein. Là, je suis déjà mort plusieurs fois. Hein. La vieille, elle est venue me rappeler à l'ordre plusieurs fois. On va se prendre vite fait. Un petit médoc. On peut prendre une autre petite bougie? Non, il veut pas. On en a combien, nous? À la limite, Non mais les médocs c'est bien quand même. Oui bah ça c'est le compteur. Hein. Ah bah voilà on a rallumé. On a éteint, on a rallumé. Bon là on se souvient qu'il y avait rien. Hein. Enfin il y avait une matrioshka. Je sais plus. Tu vois, c'est un jeu. T'as envie de faire plein de trucs. Par exemple, là, t'as envie de prendre la bougie. Maintenir avec briquet pour allumer. Droit, ramasser. Voilà, votre inventaire est plein. Voilà, tu vois, à chaque fois, il nous emmerde.
On a envie de faire des trucs simples, mais j'ai lu un test du jeu où, bon, je suis pas le seul à me plaindre. Hein. Par exemple, là, X lâché. Voilà. Je vais prendre la bougie. Ok. Est-ce qu'on peut mettre la bougie RT interagir? Oui, à chaque fois, faut retourner dans le menu. Et il me dit que je peux pas parce que j'ai le briquet. Ah putain. C'est vraiment. Et quoi, il m'a tout mis au sol là? Non, là, c'est bon. Il y a vraiment un problème Il y a un problème au niveau des touches. Il le soulignait hein, dans le jeu, mais pourquoi on peut pas remplacer un objet par un autre, quoi? Ouais, voilà, dans le gameplay, là, franchement, je veux bien être gentil, mais regarde par exemple là. Voilà, ok. Tu vois, quand ça devient un problème de prendre une bougie, regarde, la bougie, là, je peux pas la prendre. Vous ne pouvez pas placer l'objet nécessitant deux mains. Et tu vois maintenant, si j'appuie sur triangle, le jeu ne veut pas passer à une main avec le maillet. Là, on va mourir. Ah, c'est peut-être ici qu'il y avait le miroir. Je sais pas comment je le lâche. Et là, on peut pas le casser celui-là. Oh putain! Ouais, ok. Je savais pas que c'était un jeu Kickstarter. Bon, en attendant, c'est un très très bon jeu donc. C'est vraiment, il faudrait juste qu'ils bossent au niveau de leur bêta-testeur, au niveau de l'inventaire. Là, vraiment, c'est problématique. Hein. Et pourtant, je suis quelqu'un qui pardonne vite quand c'est des petits soucis comme ça. Mais là, véritablement, c'est handicapant, quoi. C'est très handicapant. On peut pas changer d'objet quand on veut. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Ouais, la vieille m'a bouffé, là. Bah, c'était sûr. Mais en même temps, tu vois, si l'inventaire était pas si merdique, j'aurais pris un médicament, quoi. Je suis pas idiot. J'aurais fait vite. Mais le jeu t'en empêche. Que ce soit au clavier ou à la souris, en fait, c'est pareil. Là, je me rends compte que le gameplay est pas plus intuitif. Mais bon, on va y arriver. Hein. On va y arriver. Et les temps de chargement sont un peu longs. C'est là qu'on se rend compte que c'est un studio qui sait pas encore optimiser ses jeux. Bah, le Layers of Fear, je l'ai. Pourquoi il me remet là? C'est rigolo, parce que c'est là que j'ai fait ma dernière sauvegarde. Voilà. Bon, voilà, par exemple, je veux. Voilà, ça y est, j'ai compris. Ah, bah, putain. Et pour l'utiliser. Ok. Ouais, c'est pas intuitif. Hein. Putain. Bon, par contre, on se fait une sauvegarde. Voilà, là, je suis soigné. Et là, on se mine le cul. Et si on veut prendre le briquet, on fait ça. Non, pas du tout. Putain. Il est où? Il est là. Si on veut prendre le briquet. RT. Voilà. Ah, ça y est, on a compris. Ah bah putain, au bout de 5 heures. Donc on est là. On est là, on est là. Regarde bien. Hop. Du coup, j'ai plus de bougies, c'est parfait. Qu'est-ce qui nous manque le plus? On reprend un briquet. De toute façon, les ampoules, on n'a jamais le temps. Bon, là, c'est ce qu'on a voulu faire tout à l'heure. Voilà, du coup, ça réallume. Très bien.
parle un peu plus fort parce que le jeu m'a agacé. Mais bon, là, ça va bien se passer. Hein. Bon, on sait que là, on va mourir. Si on s'aventure trop loin. Où c'est que j'ai été hier? Alors maintenant, c'est verrouillé. Là, on en vient. Hein. Il y avait que dalle, on est d'accord. Ouais, il y avait que dalle. Il y a le tableau de cartes de la Brunie, mais c'est tout, quoi. Non, puis là, on revient... Fausse histoire. Maintenir avec une ampoule pour réparer. Bon, là, j'ai pas besoin. C'est quand même dingue. Tu sais, là, j'ai le jeu qui rame. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller dans les options. Je vais mettre vidéo. Fenêtré. Échelle de résolution. Très élevé. Qualité des ombres. Qualité des ombres, je vais mettre moyenne. Je vais mettre en moyen. Je sais pas pourquoi le... Voilà. Merci. Voilà, ça devrait retourner un petit peu mieux. Je sais pas pourquoi ce soir le jeu le plus gourmand. Je préfère privilégier la fluidité. C'est moi ou c'est chez toi? C'était moi. J'ai des frises. Non, par contre, j'ai pas de. Je pense pas que. Non, j'ai pas de problème de lag. Hein. Je suis vraiment 720. Ah non, mais nous sommes allés ici. Tu sais, je suis sûr que c'est tout con. Il y a une porte, un truc que j'ai pas vu. En même temps, il y a plusieurs portes cadenassées. Et non, par contre, j'ai pas de drop ou de... J'ai pas de perte d'image. Non, c'était mon jeu qui laguait. Ah, mais si on va par là, on va encore... Ça revient en même. C'est un tournant que j'ai pas fait ou... Là, on va revenir par... De toute façon, à chaque fois qu'on prend l'escalier... Ah, voilà! Je n'avais point vu... Voilà, c'est bon, on progresse. Et voilà, là il veut pas me mettre le truc à deux mains. C'est quand même... Donc là, tu vois, il faut que je me débarrasse du briquet. Je me débarrasse des deux pour être certain. Et même, alors je me suis débarrassé des deux briquets. Et ben j'ai encore le briquet dans les mains. C'est pas beau ça. Et maintenant il veut bien. Oh putain, je suis con. Bon allez, on casse la vitre et puis on va voir ça après. Ah mon dieu. Ça y est, on avance. C'est fastidieux, j'en conviens. Allez. Et le réticule est tout petit. Enfin, c'est même pas qu'il est tout petit, je suis sûr que vous le voyez même pas. C'est un petit point blanc là, c'est un flocon de merde de neige là, c'est imperceptible.
Par contre, c'est sympathique ici. Alors, c'est moi qui marche lentement, hein. J'ai envie de... Où on se trouve? Ça fait vraiment penser à Silent Hill 4, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Allez. Et voilà. Et ouais, il y a quelques défauts en fait. Mais c'est juste des petits défauts mineurs de gameplay, hein. Bon, en même temps, je joue peut-être pas la dernière version, hein. J'ai téléchargé une version. Je crois que c'est la Early Access, mais j'ai trouvé que ça. Donc, bon, peut-être que ça vient de ça, hein. Je pense qu'il y a eu des patchs correctifs. Bon, c'était ça ou. Ah, t'avais prévu de le faire, bon. Bon, qu'est-ce que t'en penses là? Oh putain. Ah, il nous a téléporté ou... Ouais, non, il veut pas qu'on aille par là. C'est interdit. Bah, au niveau de l'histoire, on n'a rien su de plus hier. On a juste su qu'elle a un problème avec son ex-mari, Dwayne. Dwayne qui s'est fait poignarder. En fait, le mec qu'on a c'est le père de famille. Le mec qu'on a vu dans la chaise qui était poignardé de 6 coups de couteau. Qui avait 6 coups de couteau, il était lazardé de 6 coups de couteau. C'est Dwayne. Mais il a l'air beaucoup plus jeune qu'elle, alors c'est... On comprend pas trop. Bon, a priori, je retente un coup. Ah, tu parles de Silent Hill. Pardon. C'était moi, je cherche à faire les... Ah oui, excuse-moi, j'ai loupé un tes commentaires. Je cherche à faire les Silent Hill car jamais fait... Ah, tu n'as jamais fait, je suis très fan. Je les ai tous. Je suis très très fan. Si t'as le courage, tu commences par le 1. Graphiquement, bon, il a pris un coup d'œil, hein. Mais il est très bon. Sinon, évidemment, t'as dû en entendre parler, le 2. Le 2, c'est... Si t'as l'occasion de télécharger sur PC, il y a une version Enhance. Upgradée, en fait. Hein. C'est un patch sur le jeu Silent Hill 2. Oh, vraiment, Silent Hill 2, c'est plus qu'un jeu vidéo, quoi. C'est de l'art. Non, véritablement, c'est un super bon jeu. Silent Hill 2, vraiment très très bon. Le 3 est un petit peu plus action. Je pense que ça, on peut la péter, on peut l'ouvrir. Non, même pas. Non. Non, je voulais mettre un coup de masse. Putain, ça va être encore le même truc. Non. C'est quand même fou, hein. Alors, examiner non plus. Voilà, lâcher. Putain. J'ai enfin compris que c'était le bouton. Hein. Non, il voudra pas. C'est curieux d'avoir mis une porte là. Il y a une porte là et on peut pas la saisir. Non, y a rien. Elle va bien s'ouvrir un jour cette porte. Alors maintenant pour retrouver le briquet. Ouais, non, je te conseille Silent Hill 2. On peut même commencer par le 2, mais bon. Ça dépend de toi. Si t'as une âme de rétro gamer, tu peux te faire le 1. Le 1 est vraiment. Une fois qu'on a passé la première demi-heure et qu'on s'est habitué. Parce que c'est vrai qu'il a vieilli. Hein. Ça le fait, hein. L'histoire est tellement bien, le jeu est tellement bien. Puis on doit tout pouvoir trouver le... Bon bah j'ai perdu mon briquet. Hein. À moins qu'il soit retourné dans mon menu. Oh, y a bien un truc à faire ici. Une échelle ça? Ah, tu le trouves pas sur Steam? Si tu sais où le récup, je suis preneur. Bah, je t'enverrai un message si je le trouve. Parce que je streamerai peut-être.
Donc oui, je te rajoute mon ami et je te le chuchoterai. Je te trouverai ça. Bon, on peut se faire un petit coup de balançoire, mais je pense pas que ce soit le but du jeu. Putain, on peut vraiment y aller en plus. Alors là, il y a quelque chose à faire, mais je t'en prie. Je t'en prie. Non, non, en plus, si ça peut te faire découvrir un... Vraiment, c'est un jeu à faire, quoi. Ah oui. C'est sûr que c'était mieux de le faire à l'époque. Au niveau du gameplay, il a dû prendre un peu. C'est un jeu à faire pour l'histoire. Puis les énigmes. Faut pas que t'hésites, si t'aimes bien les énigmes, à le faire en dur. S'il y a plusieurs niveaux de difficulté au niveau des énigmes. Non, non, c'est très prenant. C'est un jeu que j'ai dû faire deux fois. Comme le 1 d'ailleurs. Après, les derniers, c'est Downpour sur. Le dernier en date, c'est Downpour sur PlayStation 3. Bon, il était moyen. C'est pas un mauvais jeu, mais bon, tu vois, c'est 7 sur 10, quoi. 14 sur 20. C'était pas révolutionnaire. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour hein, ici, hein. Y a rien à foutre. Hein. Peut-être que j'ai loupé quelque chose d'essentiel. Je regarde quand même encore un peu. Là, il y a une autre porte ici. Ah oui, mais on peut pas les ouvrir. Il n'y a pas d'interaction. C'est juste pour faire joli. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est, tu vois, c'est télécharger la version de Silent Hill 2. Et de... Je te filerai le lien. Parce que je suis un mec sur YouTube qui bosse sur une version enhanced. En fait, ils remettent tous les graphismes en HD, ils corrigent les caméras, ils mettent le jeu en plein écran 16/9, enfin, ils remodèlent toute la version PS2. Je sais pas, c'est un travail de fou quoi qu'ils ont fait. Et le jeu a l'air complètement, enfin, bien mieux, bien plus agréable, bien plus confortable à jouer hein, pour 2021 quoi. Et moi, j'ai envie de tester cette version-là. Moi, j'ai la version PS2 si tu veux. Alors elle est bien, mais bon, si on... Elle est pas en HD, quoi. Bon, bah écoute, hein, je reviens ici, hein. Ça m'ennuie, mais... Peut-être que ça a débloqué quelque chose. Du mal à y croire, mais... Tout est éclairé maintenant. Ah, voilà, il suffit que je dise ça, et regarde. Tout s'est assombri d'un coup. Si tu as le lien avec le tuto, je suis preneur. Je t'enverrai le... Dès que je trouve, alors je sais pas quand je vais le télécharger, mais je t'enverrai ça. En plus, le patch, bien sûr, est gratuit. Bon, on va reprendre le Brickooze. Ah, j'ai une sensation que ce truc-là, on pourrait le péter, mais non. Et là, voilà, tu vois, il a bien voulu passer à deux mains. Non, il veut pas. Bon, depuis que j'ai mis tout en moyen, le jeu ne rame plus, c'est déjà bien. Puis moi, personnellement, je vois pas une très grande différence. Hein. Et il y a une trappe là. Il y a un symbole dessus, c'est verrouillé. Vous ne pouvez pas l'utiliser ici. Ah putain, ça aurait été trop beau. Vous ne pouvez pas l'utiliser ici. Vous ne pouvez pas l'utiliser ici. Putain, il y avait une trappe ici. J'avais pas vu. Bon, j'arrête d'être dans la lumière. Je vais mourir. Voilà. Je mets les yeux dans l'ampoule, là. C'est bon. Je suis guéri. Le tuto est assez simple. De toute façon, je te filerai le lien de la page. C'est une page YouTube. Tout expliqué. C'est juste un dossier à glisser. Faut avoir le jeu. Bon, le jeu Silent Hill 2, je pense qu'il est assez facile à trouver. Et puis de je sais pas, il y a un gros pack
doit faire quelques gigaoctets. Ils ont même modifié le JPEG, tu vois, en fond, le panorama, ils l'ont modifié pour qu'il soit plus actuel. Enfin, ils ont refait le brouillard. Enfin, vraiment, ils ont fait un sérieux travail, quoi. C'est des gros fans. Hein. Alors, évidemment, pour un mec comme moi qui est fan de Silent Hill, c'est magnifique. En fait, c'est quand je suis dans cette zone-là que ça rame. Ouais, je suis allé sur le site officiel. See you. Clé, on peut les... Putain, foutre des clés pour ouvrir une boîte à thé, je trouve ça quand même particulier. Hein. J'ai exactement le même crucifix chez moi. Je vous mens pas, hein. Je vous le montrerai la prochaine fois. Exactement le même, là, à côté de ma porte. Ça me permet de regarder sans être dans la pièce. Petite technique de trouillard niveau 2. Ce qui m'ennuie, c'est que si on s'arrête là, j'ai peur de pas y revenir. Peur de toujours être bloqué. Maintenant, il y a la texture qui... Ah putain, on peut interagir. Ouais, mec, mais là. Allez, allez, me donne pas de faux espoirs. Oh mon Dieu. Au bout de 2 heures. C'est cadeau, hein. Ça, c'est... Ça, c'est pour les gens qui ont eu la patience, hein. Attends. Ça, c'est pour les gens qui ont eu la patience, hein, c'est cadeau. Vous avez vu ça? Mais comment je pouvais savoir? Enfin, si, en même temps, c'est vrai que ça paraît évident maintenant. C'est sûr, après coup, hein, tout paraît évident. Bon, maintenant, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on sait. On sait que le couteau, on doit le remettre. On a plein de possibilités maintenant. Et d'ailleurs, c'était ici. Texture mettre du temps à s'afficher. Hein. Toute façon, on a tout pété. Hein, alors, petite sauvegarde. Même si on n'a rien fait. Alors, évidemment, ça paraissait évident. Mais moi, j'étais convaincu de l'avoir déjà fait. Attendez, avant de rentrer là-dedans. Ah, vous voyez, là, il y a les pendules. Avec les petites assiettes. Il y en a une, j'ai fait une photo. Hein. Il nous en faut 3, alors ça sert à rien de mettre au pif. Ah, on va pas s'amuser à faire au pif. On n'a pas les 3 heures. On en a qu'une. J'ai fait une photo. C'est bon. Ça, c'est une affaire. Ça, c'est une affaire en route. Bon, je suis content là. J'ai plus besoin de meubler comme un con. Il faut qu'on trouve. De toute façon, on va le retrouver le miroir là. Là, il y a une autre pendule. Allez hop, une photo. Ah, parce que sinon, moi je vais les oublier, hein, les heures. Je vous le dis tout de suite, je préfère être franc. Je suis un garçon franc. Voilà. Donc là, il nous en manque encore une et je sais où elle est. Enfin, je sais où elle est. C'est un gros chat noir. Ça se débloque un hein, petit à petit. Hein. Ramasser. C'est marqué ramasser. Ah oui, non, c'est pour ouvrir le tiroir. On s'en fout. On s'en fout. Ah voilà, peut-être. Je crois pas. Hein. Là, c'était autre chose. Hein. Là, c'était l'énigme d'hier avec les.
Ah non, c'est l'énigme des tableaux, ça. Ah, on peut pas allumer pour l'instant. Il veut qu'on aille placer les tableaux là-bas? Non. Alors ça, oui, ça c'était... ça, c'était en merdouille, hein. Si, hein. Non, moi, je reste sur le couteau pour l'instant. Hein, on va pas se perdre en conjecture. On reste sur notre idée du tableau. Parce que là, sinon, on va passer 15 ans. Chaque énigme en son temps. On a le couteau, on retrouve ce mec avec qui a été poignardé. On retrouve le miroir. Non, c'est par où on vient. C'est marqué quoi là? Oui, c'est vrai que Sarah elle est aussi grande que moi-même. Donc là, on saura c'est l'énigme de qui sur la commode. Bon, il est où ce miroir? Il serait pas un petit peu à l'étage? Oui, il était dans mon bureau, vu que c'était moi qui étais poignardé. Ça me revient. Voilà. C'est là, c'est là, c'est là. Pour ceux qui ont eu la patience, là, c'est le cadeau de Noël. Regardez, là. Regardez, on lui remet le couteau. Putain, on aura avancé, mais on aurait du mal. Hein. I love you. Pour la Saint-Valentin, c'est gentil. Qu'est-ce qu'ils avaient dit déjà? C'est ton père qui a les clés pour... Je sais plus quoi. Bon, F5. On a les clés. En bas, il y avait les portes qui manquaient. Hein, vous vous souvenez? Ah bah, ça va être la clé de la porte ici. Évidemment. Allez hop, c'est sûr, c'est évident. Ah, vous ne pouvez pas l'utiliser ici. Putain, ma femme a fait peur. Ok, ok, c'est pas ça. Je vais aller juste passer là. Bon, maintenant on a les clés. On va faire dans l'ordre, hein. Vous l'avez vu la vieille là? On l'a écouté la nouvelle cassette ou pas? Je crois que oui. Hein. Je sais plus. Ça coûte à rien d'essayer. Oui, 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 on l'a écouté, même que c'est par rapport au fait qu'elle confond le gamin avec le bébé. Avec le. Elle confond le bébé avec la poupée. Arrivé de par là, je fais une sauvegarde. Putain, à chaque fois, elle me fout les jetons. Hein. Quand je la vois là au coin du truc là. Pff. Évidemment, on pourrait courir. Mais... Je préfère regarder. La clé, j'ai envie d'aller l'utiliser, évidemment. Je commence à connaître un peu la baraque. Ah mais du coup comment on retourne? Bring me my child. Ah ok. Pas la lumière celle-là.
ressemble à quoi là? Parce qu'on peut zoom, on peut zoomer maintenant. Bon, alors du coup, on est bloqué, hein. On est bloqué, on l'est beaucoup moins que tout à l'heure. On a des clés, c'est déjà pas mal. Cette pièce, la pièce d'où on vient, où Bring Me My Child, ressemble étrangement à celle-ci. Ah, on l'a jamais pété ce miroir. Allez hop, c'est bon, je sais comment on fait maintenant. Faire chier. Oh my god. Bon. F5. Vous voulez vraiment charger... non, annuler, annuler. Je vais pas faire de sauvegarde, de chargement. Au contraire, je... rester ici. Allez, on y va. Mon dieu, regardez ça. Alors moi, où ma femme accouche là le 22, ça me met dans l'ambiance. Ça va faire une capture d'écran parfaite pour la vignette. Hein. La prendre, oui. Vous avez trouvé une sphère en verre, elle semble contenir quelque chose. Merci. C'est bon, on peut la prendre, tu vas pas nous en vouloir? C'est spécial, hein. Allez, on se casse. Par contre, la sphère, je sais pas à quoi va servir. Là, c'est pareil. Ils nous disent... ça ressemble à un genre de présentoir, il n'y a rien dessus. Bon, en même temps, quand on... quand... attends, on va l'examiner. C'est quoi l'intérieur? Pas bien à voir. Hein. C'est pas qu'on n'arrive pas bien, c'est qu'on voit pas bien. On voit pas du tout même. Bon, en tout cas, on progresse. Petit à petit, on progresse. On a été un petit peu paumé là, avec cette histoire déviée là. Un bouton ici. Je savais pas. Oh putain. Ah. On retourne là où il y avait la bagnole. On a fait le tour de la baraque. On va te faire une save ici. Oh la musique. Ah mais on est revenu où se trouver là, parce que là on a là c'est l'énigme des chats là. Celle-là on la prend en photo. Où se trouvait le gros chat? Un gros chat. Quoi? Putain, non, ne refaites jamais ça là. Oh la vache. Ah, si vous voulez, je suis complètement dans l'écran, complètement absorbé, j'ai le casque à fond. Je sais pas si ça vous... vous êtes dans votre lit avec votre portable, évidemment, ça vous fait pas autant peur. Après, les gens vont penser que je suis une fiotte. Mais non, j'ai pas peur.
Non, non, vraiment, ça me chie dessus. Faut qu'on trouve la troisième pendule. Bon, on repasse pas par là. Très joli tableau. Non, toi, tu te tais. On va remonter à l'étage. Enfin, de toute façon, c'est un pléonasme. On va à l'étage. Pas bah, bon, tout courant hein, de ce pléonasme. Ah, monter en haut, tout ça, quoi. C'est en bas. Ah, mais voilà. On a pas, nous ne sommes jamais allés par ici. Ah non, faut la pousser. Ah, ça m'a l'air d'être... On va faire une petite sauvegarde là, je sens que la musique s'emballe. Je sais pas si c'est une bonne réponse. Ah ok, où qu'on aille, non. Ah par contre il y a une horloge. Mais qui ne donne pas l'heure. Ah, il y en a trois. Ah, une fois qu'on aura mis les horloges, on pourra revenir ici. T'as vu ça? Faut croire hein. Putain mais où c'est qu'on est maintenant? Ah oui. Non non, on est toujours au même endroit mais... C'est super louche. Donc on se souviendra, c'est au premier étage. Je préfère les fermer si des fois on a besoin de courir. Allez, elle est où cette grosse pendule de chat? Ah peut-être que qu'on peut ouvrir avec ce coffre. On aurait été vraiment très con parce que c'était juste à côté. Hein. On peut pas l'utiliser ici. J'ai encore cette paire de clés là. Putain, tout à l'heure je suis même pas certain d'avoir utilisé la bonne clé. On peut retenter. Ce n'est plus, j'avais trois clés. On retente. Et voilà, putain, quel con. Hein. Je suis sûr qu'il y en a qui ont dû regarder le en live ou... Je serai jugé un jour. En disant, ah le con, il avait pas vu qu'il y avait trois clés. Ok. Ah bah, c'est une toute petite pièce. C'est son thé. Vous avez trouvé un jeu en forme de nuage. On se souvient qu'il fallait les ranger et les jouer, hein. Et là, on a une autre cassette. Dolores, Behavior Development 1. Et nous aussi, on en a des poches de sang. On peut pas les prendre celles-ci. Ça on peut ouvrir? Pas moyen de l'ouvrir. Pourquoi? Parce que tu vas nous faire un jumpscare, tu vas sortir à fond la caisse. Oh putain. Il est pas mort. Ah je fais une save. Non, je veux pas, je... Non non, je veux pas charger ma dernière sauvegarde. De Dieu. Non, si tu pouvais éviter de venir, ça serait bien.
Et puis là. Donc on a gagné un jouet. C'est quand même drôlement chiant ça. Et on a, oui, on a une cassette. La cassette, c'est juste ici. Hein. C'est à force de tourner en rond, on commence à connaître la chambre. Voilà, c'est là. Enfin, je commence à connaître les lieux. Ah, c'est vrai que quand on joue avec tout au maximum et que ça rame pas, c'est quand même bien plus agréable. C'est dommage pour les ombres, mais bon. Ça va, quoi. Ah ben non, il y a deux cassettes. Celle-là, on l'a pas écoutée. Dolores now has moments of severe psychosis. She loses contact with reality for long periods of time. She hardly remembers me anymore. She's lost her trust in me and it's becoming harder and harder to administer her treatments. Si on l'a écouté celle-là. She sometimes forgets where she is or even the fact that she has to wear clothes. Ah non. She keeps on scratching her nails or banging her head on doors. She murmurs gibberish sentences and roams aimlessly around the house. The other day she even accused me of trying to poison her. I'm on the edge. I don't think I can take much more of this. How am I supposed to work, take care of the baby, and deal with her dementia all at the same time? Okay. On va écouter la rouge. I fear that Dolores is getting worse by the day. Her temperaments are extremely bipolar. She gets easily upset over small things, almost always immediately followed by self-resentment and the asking for forgiveness. It's getting harder to cope with her outbursts, but my love for her is strong still, and I'll do whatever it takes to help her overcome her condition. I'm gonna be late for tea. Where did I put that damned attic hook? Le thé dans le grenier. Évidemment. Putain. Bon, on trouve le thé. Oh la vache, elle est là, regardez ça là-bas. Interagir, ah, on peut ranger les jouets du bébé ici. Ah oui, on peut les accrocher. On en a accroché un. Bon, la perfusion, je doutais bien que ça allait pas le faire. Je refais une sauvegarde parce que après j'aurais peut-être oublié que j'avais fait ça. En même temps, si j'avais vu dans l'inventaire le nuage, j'ai pas pensé. Faut qu'on retourne au grenier. Le grenier, il est là. Hein. La trappe, hein, je veux dire. Oui, non. C'est pas du tout à faire ça. Je ne veux absolument pas rentrer là. C'est mieux de l'ouvrir d'ici. Comme ça, on peut. On peut. On peut. Bah, on a pas besoin de faire le tour. Donc, le thé. Le thé serait par là, quoi. On a la clé, hein, de toute façon. Une vieille chaise à bascule. Non, 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 d'abord le clé, le thé, le thé, le thé.
Attendez, j'ai envie de lâcher le zippo et essayer de cogner là-dessus. Non, on peut pas. Il y a un smiley là. Oh mon. Bricouille. On va l'ouvrir ça? Ah. Examiner. T'es marqué examiner. On peut le prendre. Ah, il est disparu. Ils ont pas fait de phase B. Ah, c'est un petit objet à récupérer comme ça, d'accord. Bon, ton thé, il est où, Dolores? Ça me fait encore plus les jetons quand il y a le briquet. On retourne un peu près de la lumière là pour faire descendre la pression. Putain, on va crever ici? Non. Je suis près du truc là. Bon, ça s'estompe là. Ouais, mais même que je prenne des médocs. Voilà. Je commence à comprendre enfin les touches. Il a bien dit que son thé était dans le grenier. Même c'est marqué partout que c'est dans le grenier. Je me sauvegarde ici. Des fois on crève. On crève. Bon, des fois on est amené à disparaître. Si je tombe là... Ça nous fait arriver où là? Ah oui, c'est vrai. Hein, quoi? Ah, ça c'est intriguant. Je fais une photo de ça. Putain, je vais faire des photos de tout moi. Je fais une photo de ça, évidemment. Voilà. Non, parce que sinon ça nous évite d'arrêter d'examiner. Donc il y a un truc derrière. Putain, mais comment veux-tu le voir ce truc quoi? Oh la vache. Merci Darkoni. Merci à toi pour le follow. Ça me fait très plaisir. Comment veux-tu Darkoni, entre nous, savoir que parmi tous les tableaux, c'est vraiment un hasard que j'ai... d'être tombé sur celui-là quoi. Je suis passé ici 1000 fois. Je veux bien, mais bon, il y a un moment donné, ils se trompent pas quand ils disent que le jeu est difficile. Il est fastidieux là. Hein. Et la porte s'est refermée. Hein. Donc Mais... Qu'est-ce qu'on entend? Et maintenant, c'est allumé. Bon, on retourne au grenier. Pas de gaieté de cœur, hein. Mais on retourne au grenier. Alors, faut attendre que la trappe soit complètement ouverte, hein, vous avez vu, hein, pour pouvoir monter. Bon. Est-ce qu'on a vraiment besoin du briquet? Non. Bon. Tout nous indique, sur le dessin, c'est marqué que le T est à l'étage. La cassette nous dit que le T est à l'étage. Et on a la clé pour ouvrir la boîte. Donc, essayons de interagir. Ah oui, on peut mettre une bougie, mais j'en ai pas de toute façon. Non, j'ai une ampoule, ça va pas... Je suis pas physicien, mais je sais que ça va pas le faire.
Alors, il doit y avoir une boîte de thé là, quelque part. Déjà, on va se coucher. Enfin, on va se coucher, on va se mettre allongé. Non, on peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Voilà. Je sais pas. Attention, votre briquet est presque vide. Oui, bah. Oui, mais s'il voulait bien me laisser l'éteindre, peut-être que ça serait mieux. Le briquet est vide. Ah bah, c'est parfait. Donc, on le lâche, quoi. Bon, on a plus de briquet. Il nous en reste bien un autre. Oui, on en a encore deux. Ça va. Ça va. Regardez, attendez. Bon, je suis pas fou, hein. On va regarder à nouveau le petit dessin. Et là, on se met près de la lumière pour être sûr de pas être emmerdé. En espérant que rien ne se passe. Si on regarde la clé, là. From Johnny to you. T. Hein? Ouais. Entre nous là. Hein? Entre nous. Juste de vous à moi. C'est bien. Ça laisserait indiquer quand même que c'est à l'étage. Et sur la cassette qu'on a écoutée pas plus tard que tout de suite, qui est derrière restée dans le poste, il nous dit que le T est à l'étage. Donc l'étage, voilà, là on y est là quoi. C'est comme dans tous les bons films. Qu'est-ce que c'est que ce bordel de ta... Mais putain, j'ai eu les jetons. Ah là, on peut passer là. Oh, je sens qu'on touche au but. Ça m'a fait peur. Allez là. Là, j'ai eu peur, là. C'est peut-être pas eu, mais je peux... J'ai eu... À 3h du mat, hein, à 2h du mat, c'est pas le... Ah, le coup du tonnerre, là, c'était... Pas nécessaire, hein. T'es pas obligé, hein. Puis l'ambiance a pas l'air d'être meilleure dehors, hein. Pas l'air d'être... On a l'air de rien louper, hein. À l'extérieur, on n'a pas l'air de louper grand chose. Non, mais le thé n'est pas là. Ça, c'est mon briquet qui est vide. On peut quand même ramasser un briquet vide. Alors, ça, c'est dégueulasse. Il va nous dire de pas rester trop longtemps. Ah, mais la voilà. Que je suis. De moi, regardez ça, c'est bon. Putain, on a le thé, on a retrouvé le thé spécial. Ouais, on va aller pouvoir lui filer son thé. Alors, j'ai voilà, sauvegarde en cours. Alors là, bon, accrochez-vous à votre slip. À mon avis, on a déclenché quelque chose. Déjà, on va faire une sauvegarde, du pauvre. Faut qu'on retrouve notre chemin. Je serais bien tenté de reprendre la cassette. Pour comme ça... Je sais pas. Pour qu'on se souvienne que la prochaine, ça sera la dernière. Tout s'est éteint. Aucun effet. Les disjoncteurs ont peut-être sauté dans le local électrique. Oh les bâtards. Local électrique, je veux dire, souvenir où il se trouve. Non. C'était quoi ça déjà? Oh là 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 là! On n'est jamais venu ici. Mais il court de plus en plus vite. C'est quoi, une sorte de raccourci de l'enfer?
qui nous fait traverser toute la maison. Oui, c'est ça. Mais c'est parfait. C'est parfait. Attendez, F5. C'est parfait parce que... Non, évidemment, non. Mais elle est là. Attendez, 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 que je me remémore. Et le storage, il est où? Putain, je me chie dessus. Il est pas là, le storage? Non, 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 c'est pas ça. C'était où déjà? C'est par là, hein. C'était où déjà la vieille là? On voit rien. Non, 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 non. Ah, c'est faux hein, quand il n'y a plus la lumière. Attends, déjà on prend une bougie. On va mettre une bougie là. Il l'a mise la bougie là? Voilà. Ah, putain, magnifique. On a du bol. Hein. C'est une fois sur 50. Hein. Alors attendez. Où il y avait le truc à thé? En fait, on est en train de chercher tout là. T'es pas là? Non, ça c'est autre chose. Je sais plus. Oh, pourtant, on était là à chaque fois, on lui parlait avec son truc à thé de merde. Je suis en train de revenir là où j'étais. Le storage room, on y était il y a 2 secondes. Dieu. Le truc qui m'étonne, c'est qu'il n'y a personne qui m'emmerde encore. Mon briquet va bientôt lâcher. Oh putain, on se casse, on se casse, on se casse, on se casse. C'est dommage qu'ils aient traduit Charabia. On n'a pas besoin de... On entend, quoi. Ou alors que c'est vraiment pour les malentendants. Mais alors, à la limite, quand t'es malentendant, tu joues pas au jeu, quoi. Enfin, enfin je veux dire, quand t'es sourd. Enfin, quelle est la... Enfin... Je veux bien, hein, mais bon. Si t'es sourd. Enfin, je sais pas. C'est peut-être un concept qui m'échappe. Non, 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 non. C'est pas ça. En même temps, ça fait du bien de voir un peu de lumière. Non. Là, s'il y a un jumpscare, je fais une crise cardiaque. Hein. Vous êtes au courant. Hein. Ah oui, il aurait évité trop longtemps de rester dans l'obscurité. Oui, je sais bien. C'était là. Attendez, c'était là, c'était là, c'était là, c'était là. Oh putain, j'ai trouvé. Oh la vache. Pourquoi il veut pas qu'on rentre? Putain, j'ai cru qu'il allait pas vouloir qu'on rentre. Attendez, on se repose 2 secondes ici, je fais une sauvegarde. Oh la vache. On va lui mettre son thé. Il vous faut 2 mains pour accomplir cette action. Il peut se battre le jeu là. Faut tout déposer. Ah, moi je veux bien, mais là. T'en... Oui, il veut qu'on soit sans défense quoi. Allez, on lui met un petit peu de thé là.
Ta mère. Bah merci. Ça valait le coup de te filer du thé. I knew it. I'll show you, you damned scoundrel, what bread you're worth. Ah, il nous avait prévenu qu'elle aimait pas qu'on... Elle croyait qu'on l'empoisonnait. Hein. Elle a une curieuse façon de dire merci quand même. C'est notre génération, les vieux. C'est notre génération. Elle m'a mis où là? Je suis dans quoi là? Faut le faire plusieurs fois ou... Ça en est sorti mais... Ah bah elle est foutue dans le four. Ouais d'accord. Elle est foutue dans le four. Putain, on a un pied de biche là maintenant. Si. Le thé. Ouh, alors je fais une sauvegarde. F5. Putain. Et du coup on peut se balader un petit peu par ici maintenant. Ah, il y a un jouet pour le gamin. Pour accrocher au lit. C'est pour la sauvegarde. Et du coup on peut se balader par ici maintenant. Change de main. Il reste un briquet. Et du coup on a perdu le la masse d'armes. Ils l'ont fait exprès. Ah bah elle est toujours là. Ah voilà, il va nous dire qu'on peut pas la prendre évidemment. Par contre le petit briquet, voilà. Bon, on saura que la masse d'armes est ici. La masse d'armes. Le marteau. Enfin, c'est même plus qu'un marteau, ça, c'est un... Comment on appelle ça? Enfin bon, c'est compris. Ah non, on peut pas y aller. Alors, attendez, maintenant on a un crochet. Moi, je suis tenté de faire dans l'ordre, c'est-à-dire d'aller remettre le jouet. Ça va pas suffire. Bon, allez, enfant. On se souviendra, la vieille elle est là. Et le disjoncteur. La masse est maintenant placée dans la pièce de stockage. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ça marre toi. Mon dieu. Et puis là je suis à 10 cm d'un... Ouais, je vous l'ai déjà dit, mais d'un écran qui est immense. Spécial, hein. Je sais pas pourquoi je m'inflige ça d'ailleurs. Je suis pas obligé, hein. Tout allait bien aujourd'hui, et puis là, je sais pas. J'ai eu envie de jouer à ce jeu là. Quoi, elle est pas derrière moi? On devient dingue après. Hein. Il a une curieuse couleur maintenant, le four. Bon, on va passer plutôt vers la gauche. La storage room, je me souviens plus du tout. Ah si, c'est vrai qu'on peut... Souvenez-vous, on peut passer... Elle est où la salle de bain là? J'entends couler. C'est où déjà? Et c'est ouvert maintenant? Attendez, il y a une salle de bain ici.
Putain. Alors, c'est spécial, hein. Là, je me fais des bons petits coups de stress. Oh mon dieu, faut pas y jouer quand vous êtes cardiaque. Hein. Surtout au casque, là, à fond. Je dois être maso un peu quand même, parce que je pourrais baisser le son du jeu, je pourrais jouer dans une pièce complètement éclairée, enfin plus éclairée que ça. Que Nini. À croire que j'aime ça. Ça doit être ça, là. Bon, là, ça charge. En chargeant, je peux vous montrer mon... Vous avez vu le beau petit background que j'ai mis? Petit layer, hein, c'est comme ça qu'on dit? Bon, on est revenu là. On a toujours le jouet du bébé. On a tout. On a tout en fait. Et on a plus le crochet. Ah les bêtes. Ah non, voilà, ils nous ont... Oh là, ça bug. On a le crochet, mais on l'a pas en même temps. En même temps, on l'a pas. On va reprendre le briquet. Voilà. Ça buguait un peu. Je refais une sauvegarde ici. On est d'accord qu'il y avait une salle d'eau. Enfin, mes grands-parents disaient comme ça, une salle d'eau. On appelle ça une salle de bain. Et là, dans la salle de bain, on pouvait passer par le trou. Allez, on y va. Allez, allez, poussez-vous. C'est vous qu'on demime. Voilà, c'est là. Allez, hop, on y va. Ce qui va nous permettre... Bon, là, on voit rien, mais on imagine. Ce qui va nous permettre... Ah, le son, il est bien fort. Hein. Ce qui va nous permettre, voilà, de retourner... Alors, j'adore quand elle nous dit rendez-moi mon gamin. Bring me my child. Voilà, ramenez-moi mon gamin. Bring me my child. Ouais, on va te le ramener ton child. Donc du coup là, le storage room, je sais. Beaucoup dire, je sais. Je crois savoir. Ça serait mieux. Du coup, on a les trois photos là. Hein. Oh mon dieu, mais ça va être 1000 ans. Puis en plus, j'ai pris. Attendez. Combien j'ai de photos là? J'ai pris 3 photos. J'ai pris 3 photos d'horloge, mais est-ce que. Tout en sachant que j'ai pas pris la photo de. Ah non, 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 j'ai que 2 photos d'horloge. Les autres n'avaient pas d'aiguille. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'énigme avec les tableaux, vu qu'on a eu un indice. En espérant que ce soit ça. Y a pas un truc dans le... Bon, l'idée quand même, c'est de remettre le courant. Hein. C'est pas le storage room. Le storage room, c'est marqué dessus. Hein. Oh putain. Oui, mais moi aussi j'ai envie de chialer. Oh la vache. C'était par là. Oh, puis ça sonne à l'entrée. C'était pas là les... Si les tableaux c'était là. Allez, on se tente les tableaux.
On se tente les tableaux. Non mais c'est ça. J'ai la photo. J'ai la photo. Les tableaux c'était ça. Le premier. Non, on les a pas ces tableaux là. Le premier c'est une dame. Comment dire? Je peux vous la montrer à la webcam. On va rien voir. On voit un petit peu. Allez, hein. Vous voyez rien, mais vous dites que vous avez vu, quoi. Si un jour on vous demande, vous dites que vous avez vu. Comme ça, on reste potes. Le premier, c'est une espèce de visage. Gauche, ramassé. Droit, ramassé. Bon, bah, comme ça, on peut pas se tromper. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, les trois tableaux, j'ai jamais vu. Hein. Ah si, celui-ci, on l'a. Ah, c'est bon, on va y arriver. Interagir. Pas moyen sans petite de l'allumer pour l'instant. Oh, non mais oui. Mais quoi? Bah viens le tableau là. Quoi, il veut pas que je prenne le tableau? Il veut que je lâche les objets? Oh, je veux bien mais... Ah oui c'est ça. Alors, il est complètement à droite celui-ci. On va le poser là. Voilà. Celui-là, est-ce qu'on en a besoin? Absolument pas. Donc on va le foutre par là. Ah, pardon. Hop. On va y arriver. Cette énigme-là, on l'aura vraiment eu d'un coup de bol. Hein. Parce que de trouver derrière le tableau qu'il y avait un trou. Derrière un tableau qui avait un trou qui nous permettait de voir une pièce où il y avait trois tableaux, je veux dire, là j'ai vraiment un coup de cul. Bon, là on est pas mal. On en a un de bon là. Le deuxième, c'est encore un visage, mais vraiment à la Beksinski. Hein. Je sais pas si vous connaissez Beksinski. Il fait des trucs fantastiques, mais enfin complètement dans ce style. Je retourne à l'entrée, ça serait vraiment bien qu'il soit là. Hein. Voilà, bah c'est ça. C'est celui-ci. Putain, mais on va arriver à faire cette énigme. Putain, on aura réussi à faire des trucs quand même. Hein. On aura galéré là, les deux premières heures. On a rien fait en 2 heures. Enfin, en 1h45 exactement. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, bah, parce qu'il y a déjà un tableau. Mais là, d'un coup, tout se débloque là. Vu qu'on a galéré. Il est où? C'est pas celui-ci? Si, c'est celui-ci. Alors, vous savez la différence, hein? Celui-ci, ici, celui-là, là-bas. Quand les gens disent je le mets là ou je le mets ici. Le français, les mots ont un sens. C'est ça que je veux dire. Hein. Ici, c'est celui qui est le plus près de vous. Et celui qui est là, c'est celui qui est plus loin, là-bas. Là, c'est des petits trucs et astuces, c'est gratuit. Je donne. C'est des petites trucs astuces que je donne vers les 2h37 du mat en général. Et alors, et le troisième, c'est un espèce de truc blanc bizarroïde. Dès que je vais le voir, je vais vous dire, bah c'est ça. Non. Mais ça y ressemble. Alors, je vais zoomer sur ma photo. C'est une espèce de... Comment dire? On peut pas dire. On peut pas dire. Je voudrais bien vous le montrer, mais... C'est ça, c'est celui qui est complètement à droite, là, c'est ça. Vous voyez, c'est une espèce de tache blanche. À mon avis, il n'y en a qu'un. Parce que de ce que j'ai compris, là, des tableaux qu'on comprend, à chaque fois, il n'y en a qu'un. Donc, il doit être par terre. On peut tenter de foutre celui-ci, vu que j'ai un doute. On va vite se rendre compte si c'est le bon. Hein. Rien ne se passe. C'est pas ça. Donc ceux qui sont pas bons, on les met dans le... ils sont punis. Ils sont punis, on les met au coin. Ah mais c'est ça. Hein. Ça doit être celui-ci. Allez, essayons. On est là pour jouer, hein. On est là pour ça. C'est pas ça. Le jeu est génial. Hein. J'ai perdu 1h45 de ma vie tout à l'heure en ne trouvant pas le trou pour... pour m'échapper. Et une fois qu'on débloque un peu les trucs, ça serait pas celui-là, hein? Comment on le tourne?
Faire pivoter. Attendez, attendez, attendez. Comment on fait pivoter? LT examiner. Ah voilà, 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 voilà. Ah putain. C'est pas simple, hein. Non, c'est pas ça. Je tente quand même, hein, pour être sûr. Par acquis de conscience. Il est très beau, mais c'est pas ça. Putain, j'aimerais bien avoir des tableaux comme ça chez moi, hein. Enfin, je déconne pas, ils sont jolis. Ah, ça fait une ambiance un peu spéciale, évidemment, mais... Bon, il nous en manque un, là. Ce serait pas celui-ci qu'à l'envers? Non, c'est le même. Elle était punie. Alors, où donc? Ce qui me fait peur, c'est qu'il en reste pas grand... Il en reste pas des masses. Ou alors je le vois à l'envers, le truc. Non, c'est une espèce de... En fait, c'est ça. Je suis en train de réfléchir. C'est ce visage qui se décompose, qui se transforme. Donc c'est un mélange de celui-ci et de celui-là en plus dégueu. C'est un visage. Bon, on va retourner à l'entrée. Ça se trouve il est à l'entrée. Je suis en train de m'emmerder pour pas grand-chose. Ce serait fantastique. Ah, il y est pas. Hein. Il est peut-être au dos d'un des autres. Et je vois bien l'embrouille. Histoire de te faire chier. Enfin, me faire chier, en l'occurrence. Oh là là. C'est quand même dommage. Il en manque un. Oh là là. Faut pas qu'on oublie de reprendre le... Le marteau et la pelle, hein. Non mais le... Mais elle a disparu, mon enclume, mon... Mais oui, en plus, c'est vrai. Oh, c'est celui-là. Non. C'est pas celui-là, mon tante, quand même. Elle était punie. Les contrôles, hein. Je leur dirai jamais assez, mais ils sont vraiment pas top. C'est celui-là. Oh putain, c'est celui-ci. Regardez ça. Hey, c'est qui le patron là? Attendez, attendez, on reprend tout là. Il est où le briquet, il est où la masse d'armes? Ah, puis le pointeur, il est tout petit. Et ma masse d'armes, elle a disparu, hein. Ça, c'est dégueulasse. Vous êtes d'accord qu'on l'a laissé ici, hein? S'occuper du tableau. On va l'allumer ici. Non, mais elle a dépopé, quoi. C'est pas cool, hein. Elle serait sous le tableau? Non, elle a dépopé, Romain. Faut que je me fasse une raison. Elle est plus là, hein, ça se voit. Si un jour on a besoin d'une... C'est quand même con, hein, on avait une arme. Qu'est-ce que c'est que ce lit? Une ombre là. Il manque la poche de perfusion. On l'a. On a tout. On a retrouvé un élément du jouet pour le gamin. Je sais pas combien il en faut. Mais... On a réussi une nouvelle énigme. Parfait. Que d'émotions.
Que d'émotions. Bon, écoutez. Je vais vous donner rendez-vous... Oh, on est 17 maintenant. Oh là là, ça me fait tellement plaisir. On arrive à 50 pour mon anniversaire, c'est le 15 mai. Je pense que c'est faisable. Si les gens sont gentils et me follow. On se retrouve demain, 23h30. 23h30, minuit. Pour la suite de Visage, qui est vraiment un excellent jeu. Hein. Là, on a passé quand même 3 heures dessus. Allez, je vous souhaite une très bonne nuit. Et puis... Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne nuit. Et puis merci de me suivre. À bientôt.